Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Alors avant ça, je voulais vous remercier pour tous ceux qui se sont inscrits au petit journal. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner. Voilà, comme je répète, hein, maintenant ça va devenir payant. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à pronos.julienvip@gmail.com. Je mettrai le mail sous la vidéo pour tous ceux qui veulent souscrire. Comme je le répète souvent, les autres pronostiqueurs, eux, touchent par YouTube. Moi, j'ai été puni déjà de 2 mois. J'ai fait déjà 2 mois gratuits pour le petit journal. Donc, pour tous ceux qui l'ont reçu depuis le début, savent le travail que ça donne et surtout les résultats. Les résultats, depuis qu'on a commencé ma vidéo prono spéciale tiercé 2 sur 4 multi, on est en bénéfice total. Vous pouvez aller voir, hein, vous avez juste à vous baser sur le nouveau logo. Voilà, vous regardez depuis le temps et vous allez voir qu'à chaque fois, je vous donne au moins le tiercé ou des fois des multi. Dans le petit journal, il y en a beaucoup qui me disent qu'ils travaillent avec ma première sélection, pas forcément avec ma sélection en moins 8. Peut-être que moi, je peux oublier des chevaux et que vous les voyez plus que moi. Donc après, je vous mets des stats sur ma première sélection. Donc ça veut dire que sur 16 partants, moi, j'en choisis 10. Et après, je travaille avec ces 10 qui finit en sélection finale en 8 avec mon canon partant. Donc, on va continuer comme ça. Peut-être qu'à venir, on va essayer de réduire. On va voir comment ça se passe. Pourquoi pas faire un 7 chevaux avec un canon partant. Ça, pour le début d'année, pourquoi pas. Déjà, vous allez voir les résultats, ce que ça donne. Comme je vous répète, pour tous ceux qui ont le petit journal, les bénéfices sont là. Je vous dis de ne pas jouer tous les jeux, ça ne sert à rien. Donc, je vous propose un quintet en 6 chevaux à 10€ flexi. Je vous propose un multi en 7 à 7,50€ flexi. Un 2 sur 4, des fois de 3€, des fois de 9€. Et un tiercé avec une base ou deux bases. Mais comme je dis, mes bases, entre guillemets, sont toujours les mêmes. Donc ça veut dire que si vous touchez sur un ticket, automatiquement, vous allez toucher sur l'autre. Donc voilà. Donc soit vous allez voir, si vous jouez 2 sur 4, en général, mes 4 bases, je les mets dans les 2 sur 4. Donc vous avez au moins un 2 sur 4 minimum. Le multi en 7, en général, on fait un sans faute. Voilà, on a toujours, comme c'est en 2x, voilà, des fois ça ne paye pas, comme aujourd'hui c'était un quintet cacahuète. J'aurais pas cru que le 3 quand même serait dans le tiercé. Il m'a fait mentir, pourtant c'est un cheval que je vous avais beaucoup donné avant, mais bon. Aujourd'hui, j'aurais quand même pas cru qu'il aurait gagné, mais bon, félicitations à lui. Mais c'était quand même un quintet cacahuète. Donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, faites très attention. Certes, je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas se permettre de payer. Ça, je peux le concevoir. Mais voilà, n'oubliez pas que les autres pronostiqueurs, eux, sont payés par YouTube. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, on va passer à la course d'aujourd'hui. Le lundi 3 octobre, c'était à Anguin, réunion 1, course 1, 2150 mètres. Départ a lieu à 13h50, 15 partants et départ a lieu sur l'Autostar. Alors, bon, je vous donne dans ma sélection le tiercé, le quartet, le quintet. Voilà, on ne va pas faire monts et merveilles, hein, vu les rapports. Dans mes 4 chevaux, je vous donnais le 7, le 2, le 9, le 5. 2, 9, 5, c'est les 2e, 3e, 4e. J'aurais mis le 1 à la place du 7. Il y avait possibilité de gagner dans l'ordre. Parce que l'arrivée, c'est As, 2, 9, 5, 12. Donc le 12, je l'avais bien mis en dernier. Et dans mes 4 chevaux, je vous ai mis 7, 2, 9, 5. J'aurais mis le 1 en premier. On aurait pu toucher l'ordre. C'est ce qui aurait mieux fallu aujourd'hui, hein, vu les rapports. Mais bon, je suis quand même content. Ma dernière minute, le 2, a pris une très bonne deuxième place. Voilà, mon coup de poker, le 3. Bon, il a fini 6e au port du quintet. Mais voilà, en tout cas, journée aujourd'hui cacahuète. Hein, on ne va pas se vanter. Hein, il y a beaucoup de monde qui ont dû toucher, hein, vu les rapports. Pour demain, je vous ai trouvé un bon petit outsider. Je pense que je ne sais pas s'il sera au moins dans une des sélections. Mais moi, je vous l'ai mis très haut. Je vous l'ai mis dans mes 5. Donc, on verra bien. Alors, ce sera le mardi 4 octobre à Auteuil, réunion 1, course 1. Départ aura lieu à 13h50, 3600 mètres. Ça sera des haies et il y aura 16 partants. Et ça sera une listed. Le 12 et le 16 seront non partants. Faites très attention.
En tête de ma sélection, bien sûr, je vous ai mis le 7 Ibn Rock de Salmon. Lui, à chaque fois, je vous le mets soit en dernière minute, soit en coup de cœur. Je vous ai mis après le 15 Impulse Précieuse de Devo. Voilà, celui-là, méfiez-vous de lui. Il a encore une très grande marge de progression. Le 13 Impressive Machin de De Chitré. Le 6 Odella de Borin. Je vous ai mis ce 11 Walfer de Nathalie Dessouter. Alors lui, c'est tout ou rien. Il fait sa grande rentrée. Il a un très bon niveau. Il est très estimé. Donc, on sait très bien qu'en haie, même avec une rentrée, il y a des chevaux qui sont déjà au point. Donc, pourquoi pas ce 11 qui peuvent venir puis monter les rapports. Car je pense qu'il va avoir une belle cote. Après, je vous ai mis le 1 Spirit of the Moon de Philippe Ron. Le 3 Zaki de Léa Suisse. Et je vous ai mis ce 2 Va et Patron de Da Silva. Et en canon partant, le 8 Sagaru de Lefebvre. Donc je répète ma sélection. Le 7, le 15, le 13, le 6, le 11, le 1, le 3 et le 2. Et en canon partant, le 8. Pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, je vous ai mis le 7 Ibn Rock de Salmon. Je vous ai mis le 15 Impulse Précieuse de Devo. Le 6 Au-delà de Borin et ce 13 Impressive Machin de De Chitré. Donc je répète mes 4 chevaux, le 7, le 15, le 6 et le 13. Allez voir la vidéo de Xavier si vous voyez des chevaux en commun. Comme d'habitude, vous les prenez en couplet gagnant placé ou en 2 sur 4 ou des bases de tiers écarté écarté. Après, vous faites vos jeux comme vous le souhaitez avec le reste de notre sélection ou avec vos chevaux. Pour la vidéo de dernière minute, je vous ai mis ce 7 Ibn Rock de Salmon. Mon coup de cœur sera ce 15 Impulse Précieuse de Devo. Mon coup de poker sera le 13 Impressive Machin de De Chitré. Et mon spécialiste, alors là non, je me suis complètement trompé. Alors, je vais recommencer. La dernière minute, le 7. Mon coup de poker sera le 13. Mon spécialiste sera le 15 Impulse Précieuse. Et en coup de cœur, je vais vous mettre le 6 Au-delà de Borin. Donc je répète, excusez-moi. Dernière minute, le 7. Mon coup de cœur, le 6. Mon coup de poker, le 13. Et mon spécialiste, le 15. Voilà, je répète ma sélection. Le 7, le 15, le 13, le 6, le 11, le 1, le 3 et le 2. Et en canon partant, le 8. Alors je sais que je répète souvent ma sélection, mais on me l'a demandé. Des fois, je vais un peu trop vite quand je parle, donc j'essaie de prendre le temps justement pour que vous puissiez noter vous de votre côté. Donc voilà les amis, donc voilà, demain un petit quintet. Bon, faites très attention au terrain. Hein. On sait très bien qu'au plat ou l'obstacle, voilà, il peut y avoir des surprises. Hein. Il suffit qu'un cheval tombe, j'espère pas en tout cas, je ne le souhaite pas. En tout cas, c'est pour ça, gérez bien vos jeux, faites des petits, ça ne sert à rien de jouer gros. Comme je vous dis, si vous êtes dedans, vous êtes dedans. Et surtout, suivez toujours votre première impression. Ce n'est pas parce qu'un pronostiqueur va vous divulguer ses 8 chevaux que vous devez impérativement les avoir dans la tête. Si vous voyez un autre cheval que moi, je n'ai pas mis, surtout mettez-le. Voilà, comme je dis souvent, la première intuition est la bonne. Bon, voilà les amis, donc, je répète, hein, pour ceux qui veulent adhérer au Petit Journal, envoyez-moi un mail à pronodejulienvip@gmail.com et je vous expliquerai tout par mail tranquillement. Voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une très très bonne soirée et maintenant je sais entre guillemets qui fait du tort, vous le verrez sûrement dans sa vidéo. Voilà, étonnamment hier je fais une annonce et aujourd'hui j'apprends par d'autres pronostiqueurs, c'est ça le pire, que dans sa vidéo bah il y a des problèmes. Donc, je sais maintenant d'où viennent les pouces en bas et les gens, on va dire, méchants, sans être vulgaire. Voilà, je pense qu'il se reconnaîtra. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et bonne soirée aussi à toi. Allez, bye bye. Et n'oubliez pas de mettre le pouce. Petit pouce, comme je dis souvent, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche et vous recevrez mes vidéos, si vous voulez me voir, bien sûr. Allez, à demain, bye bye.